Alors, si les modos peuvent me dire si tout va bien. Est-ce que les modos sont dans la salle? Est-ce que les modos sont dans la salle? Allô, allô, allô. Alors, il y a toujours un petit décalage. Toc, toc, toc. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Attends. Allô, allô. Ah, si, il y a déjà 9 personnes. Génial. Bon, alors, attends. 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 Bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Bon, j'ai dit bonjour à la quinzaine de personnes qui ici. Alors, peut-être que je vous ferai visiter à la fin du live. Je suis dans un village vacances. Le village vacances de Port-le-Cat, qui est le lieu de villégiature des communistes révolutionnaires du NPA. J'ai en face de moi, devant un magnifique cactus, le président. Pas encore. Oh le lapsus. Le candidat à la présidentielle 2022 du NPA, Philippe Poutou. Alors, bonjour Unexpected, bonjour tout le monde. Ce matin, on a fait un petit débat. Il a fallu couper au milieu du débat. Je m'en excuse auprès de tous ceux qui étaient là. On laisse venir un petit peu. Oui, d'un coup, là, il y a eu un bond. Bonjour tout le monde, c'est la saison 2 d'Oposte, c'est le deuxième d'Oposte, nous sommes à Port-le-Cat en direct de la 13e université du NPA. Et voici, tout bronzé, Philippe Poutou, il a écrit « Bonjour les camarades », nous dit Mouradou. Donc l'idée, Philippe, bonjour, il faut que tu parles un petit peu, un tout petit peu pour qu'on fasse des tests de son, et après c'est parti pour l'interview la plus dure de toute ta campagne qui démarre. Très intense. Bon, super, voilà. Bon, il y a du monde. Est-ce que tout le monde entend Philippe Poutou ou pas? Juste ça, et après on démarre. Le son est bon, génial, parce que figurez-vous que je me suis équipé. Philippe, dis-nous où on est exactement. Et après, on va parler de la campagne, on va parler du NPA, on va parler d'Éric Zemmour, on va parler d'Antoine Boudinet, on va parler de plein de choses. Mais d'abord, raconte-nous où est-ce qu'on est. C'est quoi ce cactus qui est derrière toi? Il y a les enfants qui jouent. T'as commencé à le dire. Ouais, donc on est dans un centre de vacances, un des centres de vacances de Port-le-Cat. En fait, il y a plusieurs centres qui sont utilisés tous les étés ou durant tous les étés. Pour des familles, et puis à la fin août, c'est un endroit qui est libre, qu'on peut louer. Donc on loue en fait les bungalows, la cantine, les tables, les salles de réunion, et voilà. Et ça donne un cadre qui est superbe, puisqu'en fait c'est à la fois un cadre modeste mais très chouette, parce qu'il y a la mer à côté, on a quand même une piscine, et puis surtout voilà, on est en plein air quoi, et puis il fait beau tout le temps, donc voilà. Donc ça permet de discuter, de préparer la rentrée, d'avoir des débats, des ateliers, d'avoir pas mal de réunions de formation sur tel ou tel sujet, et en même temps de pouvoir faire aussi un peu autre chose que de la politique, de boire un coup, enfin voilà. Donc c'est quand même pour nous un cadre assez exceptionnel, et ça fait 13 ans qu'on est au même endroit effectivement. Et alors ce soir c'est la fiesta, c'est le dernier soir quoi, c'est ça? C'est le dernier soir, oui. C'est le dernier soir. C'est le grand soir ce soir. Ça se lâche un peu le dernier soir. Oui. On mange et après, on a encore des choses. On a un film aussi qui est diffusé ce soir. Mais bon, beaucoup vont faire un peu autre chose. Ouais, d'accord. Ici, tu as dimanche fait ton discours inaugural, sans notes si j'ai bien compris, parce que j'ai regardé le discours. Ouais, il n'y a pas de notes, mais bon, ça ne garantit pas des super trucs, mais il n'y avait pas de notes. Ouais. Bon, c'était donc le discours du lancement de ta campagne, c'est bien ça? Ouais, donc en fait, comme on fait tous les ans à l'université d'été, qui sont, comme d'autres partis, d'autres organisations, qui ont pour vocation de se retrouver, de préparer la rentrée, donc de faire à la fois des points et puis des formations. Et c'est vrai que là, tous les 5 ans, en fait, l'université d'été, pour nous, elle est particulière, parce qu'en même temps qu'on peut faire un meeting de rentrée, entre guillemets, on fait aussi un meeting de lancement de campagne. Donc ça a été les deux choses en même temps, quoi. Donc j'étais pas tout seul à parler, hein. On a plusieurs camarades qui sont intervenus, on a essayé de couvrir pas mal de sujets différents, et dedans, effectivement, on a fini le meeting avec l'intervention que j'ai faite, qui est...
qui avait le, enfin, qui était un peu le signal du lancement de la campagne, quoi, d'essayer de montrer le profil qu'on aurait, même s'il n'y a pas beaucoup de surprises ou beaucoup de changements, et puis d'essayer d'expliquer comment, enfin, qu'est-ce qu'on va dire dans cette campagne, grosso modo. Ok. Alors, on va faire exactement comme ne font pas les autres. On va d'abord attaquer le fond. On va d'abord parler du programme. Et après, on expliquera comment tu vas t'y prendre, la forme, la campagne, les 500 signatures. Et je rappelle je salue les modos, Urial, François, Robin et Jessica, qui me font remonter les questions. N'hésitez pas à poser des questions à Philippe. Les points saillants, les faits saillants du programme du NPA, c'est quoi ? Déjà, c'est avant de discuter à proprement parler d'un programme, c'est un peu le profil de notre candidature, ce qu'on a envie de représenter dès le départ. Et c'est vrai qu'on a commencé d'ailleurs le meeting par ça, c'est de dire ben voilà, pourquoi on est là, parce que ce n'est pas si simple que ça, ni pour nous. Hein. C'est des choses qui se discutent. Nous, on n'est pas électoralistes et on n'est pas pour la fonction présidentielle. Mais on y est quand même, donc qu'est-ce qu'on y fout en fait dans cette élection-là? Alors on a une expérience, on peut toujours expliquer voilà ce qu'on a fait par le passé et ce qu'on a envie de continuer à faire, mais voilà, c'est pas simple pour nous, donc on a eu des débats parce qu'il y a des camarades qui pensent que c'est pas forcément justifié qu'on y soit, et puis là on est dans un contexte politique qui nous apparaît plus difficile que d'habitude, avec une campagne qui nous apparaît comme profondément pourrie à plein de points de vue, et notamment, on le voit, la dérive droitière et ultra-droitière, qui n'est pas une nouveauté, mais on a l'impression qu'à chaque fois, on franchit des étapes qui sont assez graves. Et là, on nous pronostique à nouveau un deuxième tour entre l'ultra-libéral Macron et puis la fasciste Le Pen. Autour de ça, une droite, même si elle est éparpillée, qui va être profondément réactionnaire. Une extrême droite donc qui sera multiple, peut-être, ce coup-ci. Et puis une gauche complètement éparpillée, fragilisée, et même avec certaines des candidatures qui auront un aspect assez droitier quand même. Donc du coup, voilà. Tu penses à qui, là, par exemple ? Le PC qui démarre une campagne bizarrement, entre guillemets, mais sur des terrains qui ne sont pas du tout de gauche, quoi, notamment le soutien à la police et des discours sur les soutiens aux migrants qui revient à ne plus soutenir les migrants. Enfin, il y a quand même des tas de choses qui montrent, en fait, qui révèlent aussi une droitisation de la gauche. Ce n'est pas nouveau non plus, mais bon, on a toujours l'impression que ces choses-là s'installent et s'aggravent. Donc voilà, on est dans ce contexte politique-là d'une faiblesse des mobilisations et de reculs sociaux, en fait, voilà, d'un rapport de force particulièrement dégradé. Et nous, on est un tout petit. On ne va pas se dévaloriser, mais il faut reconnaître les choses. On est, comme beaucoup d'organisations d'ailleurs, on souffre aussi d'un affaiblissement militant. C'est quand même incroyable, monsieur Poutou. Je te dis, il faut parler du fond et tu es déjà dans la... Mais on peut y aller. Mais oui, mais c'est... On parlera du fond. Parce que le fond, ça démarre de ça. C'est le contexte, il est là, et à partir de là, on y va. Pourquoi on y va? Ouais. Et donc, c'était d'expliquer que malgré ces conditions qui sont difficiles, qui nous apparaissent même à la limite défavorables pour nous, malgré ça, on fait un effort et on y va. Et c'est vrai qu'on y va par un aspect volontariste. Et en même temps, parce qu'on considère que malgré toutes les faiblesses qu'on peut avoir et malgré toutes les difficultés que comporte la situation politique, on considère qu'on a une utilité à être là. Et alors après, on pourra discuter de la division de la gauche et tout ça, mais voilà. Ouais. Donc voilà, ça, c'est un peu le truc de départ. Après, s'il faut aller vite sur le programme, on est... Ah non, on a tout le temps. Moi, j'ai tout le temps. Moi, je fais des lives de 15 heures, hein, parfois. Donc, Là, je crois que je ne les tiens pas. Non, dans le mouvement... On a promis qu'à... parce que donc, c'est la fête du NPA tout à l'heure. Donc, à 19h... on libérera le dénommé Poutou Philippe. Donc on a une petite heure. Le programme. Alors oui, quand même, je reste sur la forme puisque tu as invoqué. Comment vous répondez à votre propre paradoxe? Tu peux pas dire c'est la troisième fois que je me présente. Avant il y avait Besancenot. Ouais. Avant ça il y avait Krivine. Que des gens sympathiques et rigolards. Ça suffit pas comme réponse. Comment vous arrivez à résoudre votre paradoxe? Vous êtes contre la fonction présidentielle et vous allez à la candidature suprême. Ouais, c'était ça que j'essayais d'expliquer, c'est que voilà, ça fait partie
à la fois ça c'est un paradoxe et c'est une difficulté qu'on a. Et en plus du contexte politique et donc de l'extrême division des forces militantes et de la faiblesse du mouvement social, parce que nous on considère qu'effectivement ce qui peut changer les choses réellement en fait c'est le rapport de force dans la société, et donc c'est complètement lié aux luttes sociales, aux mobilisations, et on est dans un moment où il y a des luttes, des résistances, mais ça on sent bien qu'on est dans un rapport de force particulièrement défavorable où on prend tous les coups dans la gueule, que ce soit d'un point de vue démocratique, c'est peut-être la dernière phase en fait, hein, les reculs démocratiques, toutes les lois liberticides, les violences policières qui commencent à être anciennes, mais ceci dit ça s'installe bien dans le paysage, c'est-à-dire avec derrière des violences judiciaires, enfin voilà, on est dans un contexte comme ça. Donc après voilà, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, et donc nous on conclut qu'on a décidé encore une fois d'y aller, et on y va parce que en fait c'est peut-être une prétention qu'on a, mais on pense qu'on est utile, on pense qu'on a des choses à dire et des choses que d'autres ne diront pas. Y compris à gauche. Et donc c'est vrai que le profil qu'on a, qu'on voudrait avoir, qu'on voudrait continuer à avoir, c'est ce profil anticapitaliste, ce profil du candidat, donc du coup, ben, qu'il faut qu'il gère ses contradictions, parce qu'en fait, nous on pense que la fonction présidentielle est profondément antidémocratique, donc c'est difficile pour nous de faire comme si on avait vraiment envie d'être le prochain président, sans parler du réalisme de cette idée-là, quoi, parce que vu les rapports de force électoraux, bon, on peut dire le NPL n'a aucune chance, c'est pas la peine qu'il fasse croire qu'il peut l'être. Mais donc effectivement, comment on gère cette question politique? Mais nous, une élection présidentielle, ça pose de fait le problème du pouvoir politique, ça pose le problème de fait de l'organisation de la société, d'un projet, et donc on a notre place. Même si on rejette effectivement la fonction présidentielle, même si on rejette globalement les institutions telles qu'elles sont, nous on pense qu'il faut une démocratie directe, et on pense que la 5e République, que la République bourgeoise dans son ensemble, ne peut pas du tout représenter un espoir de démocratie. Donc dans tout ça, on est là quand même parce qu'on a envie de dire, ben ouais, voilà, notre projet, ben ouais, c'est le renversement de tout ça. Alors c'est pas l'élection qui va le renverser, mais pourquoi on pourrait pas faire que cette élection-là soit aussi une occasion de débat politique, de mettre des idées sur la table, et puis en même temps de montrer qu'il y a d'autres perspectives que celle de finalement se faire toujours piéger par cette élection-là. Alors, petit message technique au Modo pour leur dire que je suis bien sur le canal Questions, et que donc les questions que vous faites remonter du chat, je les poserai tout à l'heure à Philippe. Je reste quand même sur cette idée-là. D'une certaine manière, l'élection présidentielle, c'est un... Il y a un côté produit, il y a un côté marketing, il y a quelque chose de profondément capitaliste aujourd'hui dans une campagne électorale. C'est beaucoup de pognon, vous avez rien, ou trois fois rien. Ouais. Et ça aussi, est-ce que là il n'y a pas un paradoxe à jouer ce jeu-là qui est quand même un jeu... Par exemple, comment financièrement tu vas faire pour les meetings? Comment le NPA fait pour les meetings? Vous allez en faire deux dans toute la campagne? Vous allez en faire... En fait, c'est la particularité de la campagne présidentielle. Bon, il y a la phase recherche de parrainage, parce qu'en fait, on est officiellement candidat que si on franchit cette barrière-là, une barrière qui est pour nous antidémocratique, parce que c'est un filtre, mais c'est 500 parrainages. Voilà, il faut aller les chercher. Et il n'y a que les petites candidatures qui sont obligées d'aller les chercher, puisque les partis qui ont des élus n'ont pas besoin d'aller les chercher. Ils en appellent à leurs élus et ils ramassent comme ça 500 parrainages. Donc tous les gros partis n'ont aucun problème, ouais. Parce que 500, ça s'atteint vite quand on a des élus de maires, conseillers généraux, ça se dit plus, mais départementaux ou régionaux, ouais. Les députés, tout ça, c'est voilà. Et donc il y a des partis qui n'ont aucun problème. Il suffit qu'ils claquent les doigts, en quelques jours, ils ont les 500. Donc nous, on a un boulot à faire. Donc ce boulot-là, il coûte de l'argent de fait, puisqu'en fait, on prend notre voiture, on part à deux ou à trois et on va dans les petites communes. Il n'y a que là qu'on peut avoir une chance. C'est-à-dire c'est du porte-à-porte. C'est du porte-à-porte, ou porte-à-porte dans les mairies en tout cas. Ouais, ouais. Effectivement, c'est parce que nous, on pourrait fonctionner un peu par téléphone, mais ce n'est pas satisfaisant parce que par téléphone, la discussion peut vite s'arrêter et puis on ne tombe pas forcément sur le maire ou la maire. On y va direct, voilà. On y va, si on voit, on prend rendez-vous, on discute si c'est possible de suite. Il y a le contact humain. Pour nous, c'est fondamental. Il y a un contact humain, ça perd. Donc du coup, voilà. Donc c'est une voiture, de l'essence. Et puis du temps. Voilà. Et ça dure normalement, par expérience, 6 à 7 mois. Entre juillet où on se déclare et la limite du Conseil qui est fixée par le Conseil constitutionnel, c'est fin février à peu près. Donc voilà. Donc malheureusement, on est toujours à la limite de la limite. Et donc ça nous prend. En fait, l'essentiel de notre campagne, malheureusement, elle est occupée par ça. Alors il y a le côté ingrat, énergivore. Qui prend beaucoup de temps, mais en même temps, c'est des choses qui ne sont pas tout le temps déplaisantes parce que c'est un contact avec les maires, notamment, ouais, enfin, ouais. Essentiellement, dans les petites communes. Et c'est vrai que ça permet des discussions politiques.
Et même celles et ceux qui ne donnent pas leur parrainage, ça fait un rapport, et on peut discuter de la difficulté des élus et puis de la structuration politique aussi, qui est quand même très antidémocratique. Donc voilà, mais c'est le boulot qu'on fait essentiel. Il nous coûte de l'argent, mais c'est de l'essence en fait. Voilà, c'est de l'essence. Et après, le reste, c'est du bénévolat. Donc du coup, on limite la casse. Et après, là, je finis juste parce que l'élection, effectivement, ça coûte cher. On voit les budgets des uns et des autres. Mais si on a les 500 parrainages, en fait, tous les candidats officiels, on ne reçoit pas l'argent, mais on a un truc à 800 000 euros à peu près. C'est 800 000 euros, le budget de base. Voilà. Nous, et après, celui qui fait des gros scores, il aura plus. En fait, c'est des plafonds de remboursement, en fait. Et donc, comme on est candidat officiel, c'est la seule élection qui est comme ça. On est estampillé, et donc, quand on demande de l'argent aux banques dans la campagne qui suit, la banque sait que l'État garantit déjà 800 000 euros. Et nous, on fait des campagnes à 800 000 euros, en fait. Voilà, ce qui permet de faire la campagne sur les 2 mois de campagne officielle, ouais. Et ce qui nous permet de payer, de rembourser tous les frais d'essence qu'on a eu pendant toute la période de recherche de parrainage. Mais après, après, les meetings, tout ça, ça nous coûte en général rien. Puisqu'en fait, on fait des salles municipales la plupart du temps. On n'est pas dans la recherche de grandes salles qui coûtent cher et tout ça. Donc en réalité, à part les frais d'affiches, tu vois, de tract, où là, tout coûte cher, mais en fait, c'est très relatif tout ça. Donc on arrive quand même à gérer une campagne, en tout cas la première période de la campagne, et après avec les 800 000 euros, on est peinard. Pour nous, c'est énormément d'argent. 800 000 euros, là, tu n'as pas besoin de faire 5% ou 10% non, comme dans certains... Voilà, tout à fait. Tu les as. Après, si tu fais 5 ou 10, ou si tu es au deuxième tour, l'État garantit un remboursement bien au-delà. Donc après, c'est des plafonds qui fluctuent. Mais à la base, à minima, ce sont ces 800 000 euros qui vont peut-être bouger cette année, hein, qui vont peut-être être un petit peu plus. Je ne sais pas comment c'est calculé. Mais nous, avec ça, on a largement assez pour mener une campagne telle que nous, on conçoit les campagnes. Les 500 signatures, vous les aurez comme pratiquement tous les candidats. Je veux dire, il y a tellement d'élus. Et d'ailleurs suffisamment d'élus, on va dire, républicains pour accepter de parrainer des gens avec lesquels ils ne sont pas d'accord, simplement pour faire jouer la vie démocratique. Je mets des guillemets, ça ne se voit pas, mais je souris en disant ça. Vous allez l'avoir, c'est du travail, c'est de la sueur, mais tu sais que vous allez l'avoir. Est-ce qu'il n'y a pas une comédie autour de ça? On nous dit tous les 5 ans, mais ça va être dur. Non, on craint tout le temps, c'est jamais gagné. Alors, tu as peut-être raison, et peut-être que là, l'histoire montrera qu'on les a encore, donc du coup, mais ce qui est vrai, c'est que c'est jusqu'à février qu'on bosse pour les avoir. Malheureusement, on n'a pas réussi jusqu'à présent à se mettre à l'abri, même ne serait-ce que se mettre à l'abri en décembre, par exemple. C'est-à-dire avoir parce qu'en fait, la phase de recherche, c'est des promesses. C'est des promesses qu'on va chercher parce qu'en fait, tout se passe fin février, en 2 semaines, je crois. C'est le Conseil constitutionnel qui envoie à tous les élus un papier officiel, qui est le formulaire officiel donc, de parrainage. Et ces élus-là, depuis la dernière fois, donc il y a eu des modifications de la loi, renvoient par la poste, par un système de codage et tout ça, ils renvoient ce document officiel signé. Soit ils parrainent pas, ils n'envoient rien, soit ils parrainent et ils envoient le document. Donc en fait, tout se passe dans ces 15 jours-là et tout le reste du temps, enfin juste... Toute la période d'avance, c'est de s'assurer les promesses. Après, en général, la promesse, elle est tenue. Hein. Mais non, on se fait peur, on est toujours limite. Et ça se joue à 1 à 2 semaines près à chaque fois. Mais on aimerait bien raisonner comme toi tu le dis, mais il y a des camarades qui se disent on devrait y arriver, mais bon voilà, c'est pas garanti, c'est jamais garanti. Et là, on peut penser qu'il y a des conditions politiques qui peuvent compliquer la situation. Mais en même temps, il y a des conditions politiques qui peuvent aussi nous aider à les obtenir. D'abord, on a une petite popularité, la campagne de 17, moi personnellement, mon nom, il est connu, on n'a pas besoin d'expliquer aux maires et aux élus, voilà, ils savent qui c'est, ils se rappellent des débats, ils se rappellent un peu de ce qu'on a fait, de ce qu'on défend. Donc ça peut nous aider. C'est ce que dit Fan de Rien pour les 500 signatures. Depuis le temps que vous êtes au présidentiel, vous n'avez pas des valeurs sûres tous les 5 ans. J'ai entendu des gens dont vous savez qui vont signer. Mais le problème qu'on a, c'est que par exemple, sur les 500 et quelques parrainages qu'on a eu la dernière fois, plus de la moitié des élus qui nous ont parrainés ne sont plus élus. Donc, vous portez la poisse en plus. Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a visiblement, après il faudrait voir, il y a un turnover comme on dit, ou en tout cas, mais ça se passe surtout dans les petites communes. Oui. Il y a beaucoup de gens qui font un mandat et qui arrêtent, parce que c'est très très compliqué quand même d'être élu dans une petite commune, hein, parce que ça n'a rien à voir être élu dans une grosse commune et une petite.
Et donc, du coup, on s'aperçoit qu'il y a un turnover relativement important. Et donc, ça nous oblige à parce que quand si tous les élus étaient quasiment réélus, bon, on essaierait de revoir tous ceux qui avaient parrainé, même si quelqu'un qui parraine ou quelqu'une qui parraine une fois n'a aucune obligation de parrainer encore pour nous la fois suivante. Hein. Alors, voilà, donc, mais bon, on est dans un jeu politique qui est quand même difficilement maîtrisable, parce qu'en plus, il faut savoir que le parrainage, même si c'est une caution démocratique, c'est-à-dire que ça met à l'abri l'élu, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout un soutien politique, ce n'est pas du tout quelqu'un qui dit « moi, je vais voter NPA ». Donc, c'est une caution démocratique, c'est-à-dire c'est de dire « voilà ». Comme tu disais, hein, pour la République, pour la démocratie, j'accepte, enfin je permets à ce que cette personne-là puisse être candidate. Donc c'est une question démocratique, mais ceci dit, on est dans un système de politique où tu as un jeu de pression permanent, divers et variés. Par exemple, un maire qui appartient au PS, il va avoir la consigne de son parti de ne pas parrainer quelqu'un d'autre que le candidat socialiste. Bon, alors après, dans les petites communes, souvent c'est des élus qui ne sont pas encartés ou qui sont suffisamment loin des pouvoirs politiques pour avoir un peu plus de marge de manœuvre. Mais après, cette marge de manœuvre qu'ils peuvent avoir d'un côté, ils l'ont pas forcément de l'autre, parce qu'ils ont un peu peur de comment leurs habitants vont réagir, comment leur conseil municipal, qui est souvent, si c'est 10, 12, 15 élus, c'est souvent sans étiquette, avec des gens à sensibilité écolo, des gens à sensibilité centriste, de droite, de gauche, et ils tiennent à l'équilibre de leur équipe. Donc du coup, pour ne pas risquer des disputes, ils ne préfèrent pas parrainer. Enfin voilà, on est dans une situation qui n'est jamais simple. D'ailleurs, la plupart des élus, ils ne parrainent pas à cause de ça. Donc sur les 36 6000, on va dire, élus qui existent, parce qu'il y a peu près 35 000 communes, et puis après on peut. Et puis en fait, on se dit qu'il y a largement la place pour plein de candidatures, mais sauf qu'entre les partis qui récupèrent 1000, 2000, 3000, 4000 parrainages pour éviter que. Parce qu'en fait, 500 ça suffit, mais il y en a, ils vont en prendre beaucoup plus. Ah, pour éviter que les autres. Ah, bah oui, les ah bah oui, plus ils absorbent. Plus ils absorbent, plus s'ils ont envie de se dire ouais mais celui-là il va se présenter donc on va tout faire pour pas que ou lui compliquer la vie. Donc il y a ça qui se joue. Donc il y a des consignes de parti qui sont ou écrites ou envoyées. Enfin ou donc ça ce sont les difficultés. Dis-moi Philippe, qu'est-ce qu'il y a de non je voudrais qu'on aborde le fond et on va revenir parce que il y a plein de questions de politique politicienne mais de fond quand même mais quand même sur le fond. Le programme, donc tu l'as pas dit, mais je vais le t'as dire. Pris des notes. J'ai pris des notes. Le revenu universel que vous mettez très haut. Oui, ce qu'on appelle le minimum, le revenu minimum, quoi. Le revenu 1800 minimum. Euros net. Ouais. 1800 euros net. Tu as une formule pour ça. C'est le pass monétaire. Le pass monétaire, ouais. Ah, mais là, ça, c'était pas ma formule. Là, c'est un camarade qui a trouvé la formule. T'es un peu timide là. Ouais. Ah, donc ça c'est le pass monétaire, c'est ce que vous allez mettre en place. Répondre aux urgences sociales, notamment en nationalisant les banques, en rendant les transports gratuits, la retraite à 60 ans. Pourquoi je suis obligé moi de dire ton programme? Tu n'y crois pas toi-même? Mais si, mais c'est vrai que moi c'est soit je suis trop rigoureux ou trop. Mais on essaie de faire. Par étape, quoi. Donc c'est pour ça qu'une candidature, on peut pas démarrer la candidature en sachant tous les problèmes politiques qu'il y a, en disant ben nous on va demander le SMIC à 1800 euros, voilà, enfin le SMIC et puis tous les minima sociaux. Donc on peut pas démarrer comme ça. On est pour, on est même fiers de défendre ces choses-là. Mais il y a plein de mesures. Mais le problème c'est que nous on veut pas que le programme il soit vu comme un truc. Des fois c'est démago un programme. Regardez nous on veut ça machin. Mais avant on a envie de discuter d'autres choses. D'accord. Et donc c'est pour ça qu'on discute beaucoup de pourquoi on est là et du profil. C'est notre vocabulaire à nous, ça ne veut pas dire grand-chose peut-être pour ceux pour les gens qui peuvent nous écouter, mais le profil c'est un peu c'est de dire voilà quel est le sens. Je peux dire que ça nous écoute là. Le sens on de nous la pose campagne, plein de questions. Le sens de la campagne, enfin de pourquoi on est là, la posture qu'on veut avoir. Donc c'est pour ça qu'on parle d'anticapitalisme. On veut exprimer une révolte, un ras-le-bol du système, et même le dire quasiment plus clairement que d'habitude. On veut pas jouer. On sait que la révolution on va pas la faire à la présidentielle, donc c'est pas la peine de faire le grand discours révolutionnaire. Mais ceci dit, on a envie de dire, voilà, ce système-là, il a fait faillite, ça fait longtemps, les urgences, c'est encore plus des urgences. Donc du coup, nous, on voudrait exprimer une perspective qui est celle du renversement de cette société-là et donc de faire entrer les luttes sociales en pensant que c'est ça qui sera déterminant. Et du coup, le programme, lui, ça devient un programme de lutte, un programme de rupture. C'est comme ça qu'on essaie d'expliquer les choses. Et donc, ce qu'on met en avant, on est lucide quand même. Parce que quand on dit le SMIC à 1800 euros ou quand on dit la retraite à 60 ans, tout le monde dit
dit, attends, mais là, ça fait des années que tout ça, ça recule. Et c'est pas parce qu'on va revendiquer ça que. C'est pour ça que nos revendications, elles sont en lien forcément avec. C'est une discussion pour dire, ben, c'est possible parce que la richesse existe. Sauf que pour que ce programme-là, et encore c'est que quelques mesures sociales, après on pourrait discuter des réponses écologiques ou des réponses même contre les oppressions, les discriminations, ou tout simplement même la question démocratique, on s'aperçoit que ces réponses-là maintenant, ça suppose une transformation brutale de tout l'équilibre politique, et donc ça suppose que le rapport de force il soit modifié largement, et donc qu'il y ait quelque part une colère dans la rue qui permette que ce programme-là puisse commencer à se mettre en place. Sinon c'est une illusion totale. Donc c'est pour ça que... Et nous, on veut pas. On a un programme. On veut pas apparaître comme les autres politiciens qui disent "Ben nous, on promet ça si on est élu." Mais on veut aussi à la fois avoir un programme radical, mais montrer que ce programme-là, il se met en place dans le cadre d'un rapport de force qui serait autre, qui serait différent. Alors, il y a Bloodyman 56. Comment comptez-vous faire pour que le revenu universel ne devienne pas une main-d'œuvre aux frais de l'État pour les entreprises? Comment mesurez-vous son impact sur les salaires? Ouais, voilà, mais alors c'est toujours là, c'est le lien entre une revendication et derrière la possibilité de le mettre en place, quels outils de contrôle, et donc ça suppose globalement, encore une fois, une ambiance dans la société qui n'est pas celle d'aujourd'hui. Donc c'est ça qu'on essaie de faire tenir, quoi. Donc évidemment, mais même ne serait-ce que la somme d'argent, pour plein de gens, ça paraît complètement utopique, quoi. On ne peut pas aujourd'hui avoir 1800 euros, alors qu'aujourd'hui, là, beaucoup de gens vivent... Enfin, il y a quoi? Il y a 15% à peu près de la population qui est en dessous du seuil de pauvreté, qui est en dessous de 1000 euros. Et puis, on sait très bien qu'il y a beaucoup de gens qui vivent avec 500, 600, 700 euros. Et nous, on arrive avec notre SMIC à 1800 euros, y compris même une garantie pour la jeunesse qui serait une garantie à 1800 euros, alors qu'ils ne travaillent pas, qu'ils ne font qu'étudier. Enfin, et il y en a qui nous disent « Vous êtes complètement dingo, quoi. » Mais c'est l'idée déjà de discuter de la répartition des richesses en montrant que c'est possible. Donc après, évidemment que ça suppose un travail sur des calculs et tout ça. Qu'est-ce que ça voudrait dire un salaire minimal à 1800 euros? Qu'est-ce que ça voudrait dire comme dépense sur l'ensemble de la société? Donc ok, on est d'accord pour dire qu'il y a des tas de choses à peaufiner, mais c'est le fond même de dire tout simplement, nous ce qu'on veut c'est, et ce qu'il faut, c'est qu'on ait un minimum vital. Et aujourd'hui, un minimum vital pour vivre correctement, nous on pense que c'est 1800 euros. Un SMIC, on ne vit pas correctement avec un SMIC. On te demande si c'est brut ou net. On parle en net, nous. Ah ouais, nous, c'est encore plus spectaculaire, parce que là, évidemment, c'est même... Il y a que les patrons qui parlent brut. Ouais. Nous, on parle en net, effectivement. Donc c'est pour ça, ça fait beaucoup d'argent au regard de ce qu'on n'a pas aujourd'hui. On est d'accord. C'est pour ça que tout ça, c'est à chaque fois des discussions sur comment on y arrive, comment on fait. Et on ne veut pas se contenter juste d'une mesure. Et c'est vrai à tous les niveaux. L'interdiction des licenciements. Nous, on est pour l'interdiction des licenciements. Et la crise sanitaire, même à la limite, elle rend encore plus légitime cette revendication-là dans l'idée de geler les plans de licenciement. La priorité, c'est la réponse à la crise sanitaire. Donc la priorité, c'est la santé, c'est comment. Mais en attendant, donc il faut arrêter les licenciements. Et pareil, cette revendication-là, ok, ça peut faire sympa de le dire, mais après la question, c'est comment on peut y arriver. Et c'est pour ça qu'encore une fois, c'est la question de comment ça s'impose forcément avec des luttes sociales, avec une résistance populaire, avec des organisations qui. C'est pour ça que la moindre mesure de notre programme, elle est en lien avec la question de comment on peut y arriver. Un programme, ça s'écrit comment au NPA? C'est des réunions discrètes à Port-le-Cat au mois de juin, de juillet, août. Comment vous faites? Est-ce que vous, je sais pas, vous appelez, alors évidemment tous vos camarades évidemment à contribution, mais est-ce qu'il y a des ONG, des associations, des personnalités qui ne veulent peut-être pas donner leur nom, je ne sais pas ce que je te demande, mais comment ça se fabrique un programme? Mais le programme, de toute façon, grosso modo, c'est un peu le même pour nous, mais même pour pas mal d'organisations de la gauche radicale, quoi. Donc c'est quelque chose qui est ancien, qui se peaufine ou qui s'améliore ou qui se précise. Des fois, on peut mettre à écarter quelque chose qui est moins utile ou moins urgent. Donc c'est quelque chose qui est construit depuis longtemps. Après, c'est vrai que l'actualité et tout ce qui se passe permet, nous, on se dit, bon voilà, qu'est-ce qu'on met en avant et comment on peut le construire, comment on peut l'articuler ou articuler une revendication avec une autre. Voilà. Mais c'est évident que ce qu'on fait, c'est en lien avec l'action militante quotidienne.
quotidien, donc c'est en lien avec les mobilisations quotidiennes et c'est en lien avec le milieu syndicaliste, le milieu associatif, les collectifs, les questions écologiques par exemple. On est très proche de pas mal d'organisations écolo-radicales et donc évidemment on reprend des solutions programmatiques de collectifs ou des fois de personnalités. C'est sûr, hein, nous on s'alimente, on est dans le mouvement social, donc en fait notre programme il n'est pas original au sens où nous on invente des trucs, en fait on essaie de mettre en évidence des revendications qui nous apparaissent légitimes et à chaque fois des revendications qui permettent de discuter aussi des questions de rapport d'exploitation, d'oppression, des questions de pouvoir dans la société. Et c'est pour ça qu'à chaque fois on essaie de discuter de comment la société fonctionne, des richesses qui existent et puis de la pauvreté qui est pour nous injustifiable. Donc dans tout ça, c'est des revendications qui se construisent. De mémoire, parce que il y a tellement de questions que... Ah ben non, les modos ils sont géniaux. Les modos de poste, je peux te dire, Toressa ou NPA. Bon alors, Nico U87, l'ambition est plus de propager les idées, en gros, de convaincre que d'être élu, n'est-ce pas ? Est-ce que c'est ça ? Ouais, mais même dit comme ça, des fois on se dit, c'est évidemment que dans le fond, de toute façon, il y a le côté réalisme, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas un rapport de force électorale qui nous permet de penser qu'on puisse être élu, et ça ne fait pas sérieux de dire oui, on veut être élu. Sur la question des présidentielles, parce que sur d'autres élections, comme les élections municipales, moi je suis élu, donc nous on avait l'objectif d'avoir des élus. Il faut le dire, tu es élu à Bordeaux. Sur une liste plurielle, ouais. Alors, on disait ça à une époque. Ouais, ouais. Avec on ne l'a pas dit comme ça parce que justement ça se disait à une époque. Mais... Ouais, voilà, alors comment vous aviez dit ? Bordélique ? C'était une liste militante en fait, on disait, ouais. Ouais, une liste parce que c'était des militants syndicalistes, gilets jaunes, voilà. De collectifs et d'associations militantes bordelaises. En fait, tout un milieu militant qui se retrouvait dans les manifestations. À ce moment-là, c'était la bataille contre la réforme des retraites. Hein. Ouais. Et puis même, y compris encore, il y avait le mouvement des gilets jaunes. Et donc, avec des militants de FI et des militants du NPA. Voilà. Et on a fait ce qu'on appelait une liste d'anticapitalistes, mais avec cette diversité qui était quand même inédite. Et donc ça a quand même bien marché sur Bordeaux, ça a fait du bruit, une dynamique, et puis on a eu 3 élus. Dont Antoine Boudinet, que nous saluons. Antoine Boudinet, c'est l'un de ces gilets jaunes, un de ces 5 gilets jaunes, qui a perdu une main, et lui c'était à Bordeaux, et il est aujourd'hui élu au conseil municipal de Bordeaux, à tes côtés. Et le truc qui est émouvant là, sur cette question-là, c'est que Antoine a perdu sa main place Péberlan pendant une manif gilet jaune, donc absolument. C'était en décembre 2018, et un an et demi après, il est élu à la mairie de Bordeaux qui se retrouve juste à côté de là où il a perdu sa main, et donc du coup il y avait quelque chose de très émouvant, d'ailleurs ça lui a permis de rappeler au premier conseil municipal cette histoire-là, avec son gilet jaune dans le conseil municipal, et ça a de la gueule à Bordeaux hein, quand même, qui est une ville très, plutôt droitière jusqu'à présent et ouais. Qui est réputée être bourgeoise, donc un camarade comme Antoine, gilet jaune, et parler des violences policières dès le début des conseils municipaux, c'était quand même quelque chose qui était assez fort. Quoi. Alors, il me semble que, dis-moi si je me trompe, mais c'est un peu ce qui a posé des problèmes chez vous, le fait que vous ayez fait une liste avec notamment la France Insoumise, au sein du NPA, c'est pas très bien passé, il y a plein de questions là-dessus, il faut en parler, ouais. Il y a eu une scission, ouais. Il y a quelqu'un d'autre qui vient du NPA, c'est Anas Kazib, qui va aussi se présenter, enfin qui est candidat, je crois. Hein, il va essayer de. Voilà. De donc il y a plein de questions là-dessus. Qu'est-ce que tu peux en dire ? Je lui demanderai à Anas le jour où je le verrai, mais toi, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette scission qui a eu lieu en votre sein ? Et notamment, je crois, il me semble, hein, que ce qui a mis le feu aux poudres. Ah oui, tout à fait. Ah ouais, c'est Bordeaux en lutte, donc la liste qu'on avait construite avec des camarades de FI, mais pas que, mais c'est vrai que c'est surtout la présence des camarades de FI qui a posé problème. Et on a eu, dans le parti, on a eu une crise qui s'est réouverte, ouais, à partir de là, effectivement.
Et donc, en fait, c'est un vieux désaccord qui existe parmi nous, hein, mais pas que parmi nous. Toutes les organisations sont traversées par des divergences stratégiques, avec qui faire, comment faire, on se regroupe, on se regroupe pas, si on se regroupe, à quel moment. Bon, voilà, donc on est dans ces discussions-là. C'est dans toutes les manifs ou dans des grèves, les problèmes se posent. Hein, est-ce qu'on fait une grève avec tel ou tel syndicat ou est-ce qu'on y va tout seul? Bon, voilà. Donc, en fait, c'est les problèmes qui se discutent dans toutes les organisations. Et là, effectivement, la liste au municipal à Bordeaux, elle a énervé particulièrement des camarades et donc des fractions qu'on a dans le parti, qui refusent toute alliance avec FI sur le terrain électoral, en considérant que ce sont des réformistes, des droitiers, et qu'on n'a rien à faire avec eux, et que faire quelque chose avec eux, c'est déjà trahir, ou c'est commencer à trahir l'idéal révolutionnaire. Donc c'est les désaccords qu'on a depuis longtemps, et ça a fini par déboucher sur le départ d'une des fractions du NPA qui a pas supporté, qui considère que c'est le début d'une trahison. Ben, après, les mots qu'ils utilisent, c'est pas tout à fait forcément celui-là, mais voilà, il y a une rupture, quoi, et ils sont partis. Et après, d'autres dans le parti ont décidé de rester, mais ça ne veut pas dire que tout le monde était d'accord avec cette orientation-là. Donc c'est vrai que, bon, voilà, on essaie d'assumer le mieux possible ces divergences-là. Mais nous, que ce soit l'expérience, enfin les camarades à Bordeaux qui avons fait cette expérience-là, et nous on ne regrette pas parce qu'on considère que c'est le débat qu'on va continuer à avoir, mais qui existe aussi à FI d'une autre manière, ou qui existe dans des tas d'organisations, c'est comment on se démerde aujourd'hui à reconstruire le mouvement social, comment on retrouve une force, que ce soit sur le terrain des luttes, des manifestations, des grèves, des occupations, mais même sur le terrain électoral. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire ensemble, et est-ce qu'on peut mettre enfin construire justement des programmes qui permettent de mettre en commun ce qu'on peut avoir, enfin ça relève de la stratégie, mais ça relève aussi d'un fonds d'orientation politique. Donc nous on le justifie quoi. Et au NPA, c'est vrai qu'on reste toujours un peu partagé sur ces questions là quoi, et on est désolé d'une certaine manière quand ça provoque des crises comme ça, mais finalement on se dit heureusement qu'on l'a fait, parce que ça permet aussi d'éclaircir des choses. Et voilà, mais en tout cas moi je pense qu'il faut qu'on fasse comme ça, qu'il faut qu'on, et c'est pas parce qu'à un moment donné on a un accord où on bosse ensemble et on essaie de dire des choses ensemble que la fois d'après on est ensemble ou ensemble à vie, ou qu'on fusionne. Mais on est obligé d'apprendre quand même à mettre en pratique des politiques unitaires, parce que aujourd'hui la situation c'est dingue, on se fait ramasser de partout. Alors justement, Klitsch-Norris qu'on salue, qui nous dit ok pour les idées à défendre, mais au final entre l'AFI, révolution permanente, donc ça c'est la scission, etc., on va tirer quoi de la gauche, j'entends la gauche transpartisane. Donc je ne sais pas trop ce que ça veut dire transpartisane, c'est la gauche radicale ou Oui, j'imagine. Non, mais c'est... Klitsch est encore là dans le chat, donc il pourra peut-être nous préciser ce qu'il entend par gauche transpartisane. Mais comme il parle de l'AFI, du NPA, de révolution permanente, on voit à peu près des suspects habituels. Qu'est-ce qui va se passer, je veux dire, si mais toi... Moi, je pense qu'il y a un constat qu'on peut faire, c'est qu'il y a une incapacité collective des forces militantes, plus ou moins radicales, plus ou moins réformistes. On peut toujours, évidemment, nuancer les uns et les autres, mais il y a un constat qu'on peut faire, c'est ça, c'est qu'on n'est pas capable, ne serait-ce que de discuter, de débattre fraternellement un peu de ce qui peut nous séparer, mais c'est surtout de comment on répond à la situation actuelle. Et c'est quand même dingue, mais là, nous, au NPA, on vit des moments des fois difficiles, mais dans d'autres orgas aussi, ça se dispute, ça s'éclate, et on se dit quelque part... C'est-à-dire que chez vous, on sait, quoi. Ouais, nous, il n'y a pas grand-chose qui se cache, même si on veut... Enfin, ça se voit, ça se voit, c'est drôle, là, pour des trotskistes, quand même, hein, parce que normalement, vous devriez être rompu. Tu sais que le NPA n'est pas un parti trotskiste. Il y a des trotskistes... Oui, c'est la LCR... Ouais, la LCR était une organisation trotskiste. Avec des rendez-vous secondaires. Voilà. Et on avait dit qu'il faut essayer de construire une organisation qui va au-delà des trotskistes et qui intègre des libertaires ou des gens qui militaient pas auparavant. Enfin voilà, l'idée c'était ça, l'espoir du NPA, c'était de construire un outil politique, un parti large qui regroupe des militants du mouvement social, du mouvement ouvrier, avec des orientations. Mais si vous n'arrivez pas, mais qui se mettaient d'accord sur l'idée que de faire un parti anticapitaliste. Bon, alors voilà, Philippe, c'est bien, tu es transparent, tu dis voilà, dans tous les partis on a des problèmes, etc. C'est quoi la racine de ces problèmes? C'est quand même pas les 800 000 euros promis à chaque candidat. On est bien d'accord. Mais c'est sûr. Mais là, c'est quoi? Là, c'est vraiment des batailles d'idées, quoi. Alors après, c'est vrai que
autant des fois il y a des enjeux dans des parties de bureaucrates avec des enjeux de pouvoir ou des enjeux même matériels derrière. Nous, on a un parti, on n'a pas de permanent ou quasiment un ou deux pour faire fonctionner le journal. Il y a pas de pouvoir, il y a pas d'argent. Donc c'est sûr qu'après on se dit mais même sans ça, on se dispute quoi. Et on se dispute méchamment, puisqu'au point qu'il y en a qui claquent la porte. Donc du coup, ouais, il y a quelque chose qu'on sait pas faire. On sait pas. Et je sais pas. Après, j'ai pas de réponse à tout. On n'a pas de réponse à tout. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que c'est des fois ça fait chier, mais on en est là. On sait pas faire. Voilà, on sait pas faire. Et ce qui fait chier aussi, c'est que même quand on sait pas faire, même qu'on arrive à, quand on n'arrive pas à construire, à organiser, à résister, il y en a, ils gardent toujours cette prétention et ils ont toutes les certitudes du monde. Et en fait, on a tout pour douter. On a toutes les raisons de douter de ce qu'on est, de ce qu'on est capable de faire, de ce qu'on pense même. Même un programme, quand on le fait, on peut très bien faire un programme qui n'est pas tellement, qui pourrait être améliorable, mais qu'on, voilà. Donc tout ce qu'on fait, je pense qu'il faut qu'on le remette en question, enfin qu'on soit critique de tout ça. Et là, malheureusement, c'est peut-être ça qui explique la violence des fois des rapports humains qu'on peut avoir dans les organisations, c'est qu'on se retrouve avec des certitudes de part et d'autre, et puis voilà, c'est nous qui avons raison, bim bam boum. Et voilà, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on arrive à... Enfin, il y a une sorte d'urgence aussi, quoi. Il faut qu'on commence à vraiment à douter, mais pas douter au sens où on ne peut plus rien faire. Mais, enfin, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses qui sont... Enfin, moi, je trouve que c'est compliqué. Mais je suis convaincu qu'il faut tenter des trucs. À contrario des questions désagréables que je te pose, il y a Valka qui dit « Nos voix sont sans cesse silenciées. Plus il y a de candidats ou candidates d'en bas, plus il y a de paroles. Point. » Est-ce que c'est ce que tu penses aussi ? C'est une partie, moi je ne le pense pas directement comme ça, mais c'est vrai que du coup, c'est ce que disait à un moment donné Arlette Laguiller, quand il y avait, parce qu'il y a toujours eu en fait l'Utourie d'un côté, la LCR de l'autre. Il y a eu des moments où ces deux organisations d'extrême gauche avaient travaillé en commun, mais c'est rare. Et puis là, c'était vraiment les frères ennemis quand même. Hein. Et puis là, maintenant, c'est vraiment, il n'y a même plus de relation, quoi, ou très peu, même si on a eu un débat hier avec eux, mais un débat où il y a peu de rapports fraternels en fait. Donc du coup, mais il y a toujours eu ça, et c'est vrai que c'était une des déclarations du Tour hier qui disait, mais c'est pas grave si on est deux ou si on est trois, ça permet au contraire de multiplier la parole qui conteste, tout ça. C'est pas faux, c'est même vrai de fait. D'ailleurs, on parle beaucoup de la division de l'extrême gauche, c'est parce qu'on est petit et que quand on est petit, se diviser, ça fait un peu plus déplorable, mais la droite, elle est archi-divisée, la gauche institutionnelle, elle est archi-divisée, l'extrême droite maintenant va montrer ses divisions parce que on pourrait avoir plusieurs candidatures à tous les niveaux d'échiquier politique. Mais Philippe, c'est pas pour nous rassurer. Comme il ne reste que 20 minutes, hein, on est, ah ouais. Tu vois, il faut toi-même, tu reconnais que ça fait chier, tu vois, j'en parle le terme que tu dis, que tu es déçu. Pourquoi on voterait pour des gens qui s'entendent pas, doutent. Ce que tu dis, c'est vrai pour tout le monde, parce que c'est quand même pitoyable ce qui se passe à gauche, entre même l'université d'été des Verts. Tout le monde a bien compris que Piolle, Jadot et tout ça, c'est pas du tout des potes, mais ils se serrent la paluche, ils rigolent ensemble et tout ça, et puis ça va être la guerre à fond, quoi. Tout le monde sait ça, il n'y a pas d'illusion. Toutes les organisations, le PS, ça fait des années que le PS, c'est pitoyable. Donc du coup, alors nous, on n'est pas au même niveau, parce que c'est vrai que c'est pas les mêmes enjeux, et puis comme je disais tout à l'heure, on est un petit parti où il n'y a pas d'argent derrière, où il n'y a pas de confort matériel à négocier, enfin voilà, on est un parti strictement militant, donc c'est pas les mêmes enjeux, mais on n'a pas non plus à culpabiliser ou à être gêné de ça. On a des conflits internes, on a des désaccords internes, il y a des choses qu'on n'arrive pas à résoudre, et bon, ben voilà, on en est là, mais c'est pas pour ça que notre courant doit s'effacer ou s'excuser d'être là, parce qu'en réalité, en plus, le NPA, mais comme d'autres organisations militantes, on fait de la politique vraiment au quotidien. Et ce serait bizarre quand même que le jour où il y a le rendez-vous politique le plus important, c'est à la présidentielle, c'est un rendez-vous politique important la présidentielle, même si derrière ça débouche jamais sur des changements vitaux pour la population, n'empêche que c'est un rendez-vous politique central. Donc une organisation politique militante qui est dans quasiment toutes les mobilisations, parce que nous l'NPA on n'est pas très costaud, mais on a une énergie et une présence dans les collectifs, dans tout ce qui est unitaire, même dans les mobilisations, à la fois sur la question écologique, le soutien aux migrants, les questions sociales, la bataille contre les fermetures d'usines, la défense des services publics, y compris même le soutien aux revendications basques ou corses, voilà, on est quand même dans des... Donc du coup, cette organisation, nous,
qu'est-ce qui ferait qu'on ne pourrait pas, ou pourquoi des gens pourraient nous dire « mais non, vous n'avez pas votre place là ». Ben si, on a notre place. On a notre place parce qu'on a des choses à dire très particulières et on a envie de les défendre et de les faire entendre. Qu'est-ce que... Malgré nos défauts. C'est quoi votre position par rapport au RIC constituant? Ben nous on est pour, mais bon, nous on dit comme ça, c'est pour nous c'est pas satisfaisant. En fait, nous on est pour une démocratie directe. Donc du coup c'est la question. Ben nous on se revendique de la Commune de Paris. Alors c'était le 150e anniversaire, mais la Commune de Paris c'est quand même vachement mieux que le RIC. Bon ok, c'est pas tous les jours que la population a entre les mains le pouvoir. Mais nous c'est ça notre perspective. C'est pas juste qu'à un moment donné la population doit pouvoir dire oui ou non sur un projet de loi ou sur un choix budgétaire à faire. Nous on est vraiment pour la mise en pratique d'une démocratie directe. Où la population s'auto-organise et on est pour l'autogestion. Donc, mais ceci dit, dans la situation actuelle, la revendication du RIC, évidemment que c'est une revendication légitime, c'est celle de dire oui, mais quand même, plus la population aura la parole, mieux ce sera. Mais après, il faut discuter. Bon, on a eu l'expérience du référendum de Notre-Dame-des-Landes, hein, où on a vu qu'un référendum, ça peut être complètement pipoté. Et le paradoxe, c'est que le référendum, il est perdu par les militants, mais finalement, la ZAD gagne finalement. Donc, c'est le paradoxe du référendum de Notre-Dame-des-Landes. Mais nous, on pense que c'est plus profond que le RIC, quoi. Alors, on ne va pas faire Monsieur Plus, hein, dire voilà, ça, c'est pas assez. Mais c'est l'idée qu'il faut arriver à discuter concrètement comment la population se dote d'outils démocratiques quotidiens. Donc, c'est l'idée du débat politique public. Donc, et de la possibilité de décider, mais derrière c'est la possibilité de contrôler une décision, parce que on en est là, on sait très bien que c'est comme un candidat qui gagne l'élection, qui dit moi je vais faire ça, mais qui contrôle derrière? Et la plupart du temps la promesse elle n'est pas respectée. Donc c'est pour ça que c'est arrivé à discuter d'une société où on va vers une démocratie directe, et on pense qu'il y a les moyens techniques aujourd'hui pour le mettre en place. Alors après ça suppose aussi une conscience politique qui n'existe pas forcément, parce que la démocratie directe ça voudrait dire une population qui se préoccupe des intérêts collectifs, qui veulent en discuter, on voit bien la société dans laquelle on est où c'est pas tellement ça qui se passe, quoi, malheureusement. C'est qu'une population qui est plutôt qui vote plus déjà, mais le fait de plus voter ou qui vote de moins en moins, c'est l'expression d'un rejet, d'un écœurement, d'un ras-le-bol, d'un désintérêt, enfin tout ça se mélange, qui est lié quand même aussi à une société de plus en plus dure, de plus en plus qui est inégalitaire. Et voilà, et c'est comment on reconstruit tout l'inverse, quoi. Alors, il y a un point météo posé par le dénommé Usul, bien connu de nos services. il nous demande si nous avons beau temps. Alors, ça ne se voit pas, mais il y a un bleu azur. Quelques petits nuages, les 500 signatures s'approchent. Je les vois dans le cumulus. il y a plein de questions sur vos relations avec les médias. C'est-à-dire comment, même si, je suis étonné, hein, tu parles assez peu du programme, il bute totalement sur tout ce qui peut être développé dans les médias dominants, pour employer l'expression consacrée. Comment tu vas faire? Est-ce que tu as envie éternellement d'être le candidat qui s'en tire par une pirouette extraordinaire, dont tout le monde se repasse le gif animé et ainsi de suite? Ou est-ce que... Comment tu vas faire là? C'est la question médiatique, ce mur médiatique. Comment tu vas le percer? Est-ce que tu pensais à le percer? C'est un sujet qu'on maîtrise pas du tout, mais parmi tant d'autres qu'on maîtrise pas. Mais les médias, entre deux élections présidentielles, on est quasiment inexistant dans les médias, parce qu'en fait les médias, il y en a qui croient qu'il suffit de frapper à la porte des médias pour y passer. En fait, il faut être invité pour y aller. Et on n'est pas invité, ou quasiment pas. Et quand on est invité, c'est dans des formules ou très courtes, ou de toute façon, le but, c'est pas de pouvoir exposer nos idées, c'est pour une raison ou une autre, de nous titiller, tout ça. Bon. Donc du coup, c'est très très insatisfaisant tout ça. Mais là, il y a une élection présidentielle, le fait d'être candidat, au moment où on est vraiment candidat, ils sont obligés de nous inviter. Donc là, ça nous offre des espaces politiques pour pouvoir défendre nos idées. Mais entre-temps, ouais, c'est très compliqué. Là, on sait que même en étant candidat à la période de recherche des parrainages, on pense qu'on va avoir très peu de passages médiatiques, parce qu'on est hors champ maintenant. Et en plus, dans la situation politique, il faut voir ce qu'elle est, hein, entre la crise sanitaire et puis les gros cadors qui se lancent dans une bataille entre les primaires des Verts, là, puis après la décision du PS, puis après le grand suspense, est-ce que Zemmour va y aller ou pas, hein, puis après la droite qui va régler ses propres problèmes internes.
On imagine bien que dans ce calendrier politique, les médias vont être omnubilés par ça et nous, on n'existera pas. Donc du coup, la question médiatique, elle se règle malheureusement de cette manière-là. C'est-à-dire, en fait, on n'y sera pas ou très peu. Ouais. Alors après, nous, en plus, il y a des médias qu'on boycotte. On est assez alors lesquels CNews par exemple, ça fait 2 ans je crois, depuis la ligne éditoriale, je crois que je dis 2 ans, peut-être 3 ans, je sais pas. Ouais. Et puis là on se posait la question pour Europe 1 du coup. Et voilà, donc parce que là par contre... Il y a Léo Lecolo qui te dit, dis-leur aux médias que tu vas taper sur Mélenchon, ils vont t'inviter. C'est possible aussi, bah ouais, parce que d'ailleurs des fois c'est ça qu'ils cherchent, c'est qu'en fait quand il y avait... C'est pour ça que là où tu as raison, c'est que le programme, même là, j'en parle pas trop, mais parce qu'il y a tellement de choses à discuter avant, mais c'est vrai qu'en règle générale, les médias ils s'en foutent du programme, eux ils veulent toutes les bisbilles. Bah, ce qui mais nous c'est pas les médias, nous c'est... Oui, 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 c'est la jeune garde, Twitch. Je fais la différence, mais c'est vrai que de toute façon il y a tellement de choses à discuter que c'est jamais très simple. Mais tu reviendras, moi je vais venir dans la IPA mobile de mairie en mairie, ça me ferait marrer. Ah ben oui, des reportages pour voir comment ça se passe. Bien sûr, ben ouais. Bonjour monsieur le maire. C'est sûr que moi, le jeu des petites les phrases. Rapports avec Mélenchon ou les rapports avec Hello, enfin, c'est surtout avec Mélenchon parce que comme Hello, tout le monde s'en fout aussi, donc du coup, mais c'est vrai que c'est ça, c'est la petite phrase que tu dis, quoi, c'est le petit truc qui nous intéresse pas à nous, mais qui va les intéresser à eux, donc c'est souvent ça le passage média. Donc malheureusement même, on est souvent frustré parce qu'en fait, c'est jamais l'occasion. Alors après, on n'a pas d'illusion, on sait ce que sont les gros médias, parce que là, on parle des gros médias, évidemment, on parle pas des médias militants, on parle bien pas sûr. Des médias qui se construisent petit à petit sur les réseaux sociaux. Donc la grosse machine médiatique, elle est pourrie, enfin, elle est nulle, elle est aux mains des milliardaires, et puis avec des lignes éditoriales qui se droitisent quand même, parce qu'il n'y a pas que CNews, hein, d'autres chaînes télé ont quand même des lignes éditoriales qui sont très discutables. Donc voilà, alors après la question qui peut être posée, c'est est-ce qu'on refuse d'y aller complètement? Parce que là on dit CNews, ouais. On n'y va pas. Alors il y en a qui nous disent, mais y allez pas. Mais bon, alors on y va, ou si on est invité, parfois on y va. Il y a des émissions qu'on refuse, par exemple, Touche pas à mon pote, mon poste, ouais. Touche pas, et puis. Ça, on a refusé, enfin, moi j'ai refusé plusieurs fois. Là, ça fait très longtemps qu'ils n'invitent plus maintenant. Ouais. Donc on fait des choix quand même. Mais c'est vrai que c'est pas simple, on est toujours en train, on débat aussi de ça, c'est-à-dire qu'est-ce qui est judicieux à faire, qu'est-ce qui est utile à faire. On n'est pas indifférent, évidemment, à la façon dont les choses se passe, à la perception qu'on peut avoir les gens, et des fois on a des critiques, des gens qui nous disent non mais pourquoi vous y allez là, et donc c'est tout ça se discute. Donc le rapport aux médias il est évolutif, mais même si on a là de ce côté là on est d'accord avec Acrimed, avec même Le Monde Diplo sur la critique sévère des médias de ce qu'ils sont, et on reprend pas mal ça d'ailleurs petit à petit, c'est parce qu'on nous a dit qu'on était bien en retard aussi sur la critique des médias. Et sur qu'est-ce qu'un pouvoir démocratique ferait des médias, enfin, comment on gérerait ça? Parce que c'est plus facile à la limite à critiquer quand on est dans la partie des minoritaires qui se plaint toujours de pas. Mais il faudrait aussi imaginer si jamais un jour la gauche radicale a le pouvoir, comment elle traite cette question-là. Donc c'est intéressant aussi. Donc ça permet d'affiner la critique. C'est ce que font d'ailleurs un peu Acrimed et Le Monde Diplo, d'essayer de discuter d'un programme pour les médias, de comment, quel rapport entre l'État, les médias, privés, pas privés, mais pas étatiques non plus. Enfin, qu'est-ce que ça voudrait une démocratie réelle à ce point de vue-là? C'est des trucs qu'il faut qu'on arrive à penser. Quoi. Il nous reste 10 minutes. Il y a encore plein de questions malheureusement, mais tu reviendras. Ouais, on va te reconvoquer. On ne va pas te libérer comme ça. Ces dernières années, il y a eu deux mouvements massifs, enfin un massif, les Gilets jaunes, et il y en a un en ce moment, anti-pass sanitaire et parfois anti-vaccin, c'est quand même compliqué, il y a un mélange des genres, etc. C'est quoi votre vision de ça, le NPA? C'est-à-dire, est-ce que vous estimez que vous avez été dépassé sur votre gauche ou sur votre droite, en tout cas dépassé par la rue, on va dire, prise par la droite ou par l'extrême droite, ou par la gauche, ou l'extrême gauche, une autre extrême gauche. Comment vous faites par rapport à ça?
Ce qui est sûr, c'est qu'on est bien embêté par rapport à la mobilisation actuelle. On est embêté et beaucoup de militants hésitent et on n'est pas les seuls. Embêté, c'est le terme ou emmerdé? On peut dire emmerdé, mais c'est pour éviter de dire des gros mots. Quoi. Donc, bien sûr. C'est un peu une situation inédite aussi parce que les Gilets jaunes, on avait vu que le mouvement des Gilets jaunes, il avait quand même sacrément perturbé les organisations du mouvement ouvrier, syndicats, partis de gauche. Et donc on avait vu déjà le malaise dès le départ parce que c'était bon, c'est vrai que ça avait été très médiatisé par BFM, je me rappelle au début, donc il y avait un malaise et la gauche elle a mis quand même assez longtemps et encore il y en a qui se sont jamais mis dedans. Mais au moins le mouvement des Gilets jaunes, il avait quelque chose qui était, même si dedans il y avait des gens d'extrême droite, même des personnalités d'extrême droite qui avaient essayé de participer aux premières manifs. Donc il y avait un malaise de ce côté-là, mais en fait c'était pas un problème en soi, puisqu'en fait la revendication du mouvement des Gilets jaunes, c'était de fait ouvertement une crise sociale. C'était la dénonciation de la pauvreté, de l'exclusion, c'était par rapport aux taxes, l'augmentation du carburant, mais c'était de suite la question de mais comment on vit, nous, comment on va vivre demain, donc nous il faut stopper ça. Bon. Donc du coup ce mouvement-là, il était clair de ce point de vue-là. Alors après, ça ressemblait pas aux mouvements sociaux habituels parce que c'était souvent autour des métropoles, c'était des zones rurales, c'était des populations bien souvent hors champ militant, c'était des gens qui vivaient dans la campagne, qui étaient même socialement, enfin c'était pas le mouvement habituel quoi. Donc du coup, ça perturbait, mais c'était clairement un mouvement social de contestation. Et là, avec ce mouvement d'aujourd'hui, il y a les deux, enfin il y a deux choses qui se côtoient, ouais. C'est ce que tu as dit en fait. Il y a l'aspect que c'est clairement une colère qui est légitime contre Macron, son autoritarisme, son mépris, parce que Macron il prend tellement tout le monde pour des cons que dès qu'il prend une mesure maintenant, elle devient de plus en plus contestée. Et ça c'est légitime. Donc, et notamment le pass sanitaire. Le pass sanitaire, nous on est contre le pass sanitaire. Donc, nous on dénonce le pass sanitaire, mais en lien avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent de liberticide, de tout ce qui est en lien avec le contrôle généralisé de la population. Et aussi contre le pass sanitaire parce qu'en fait ça fait un moment qu'on en a ras-le-bol, mais c'est le cas dans les manifs actuels. C'est-à-dire qu'en fait, face à une crise sanitaire, c'est quand même bizarre que la réponse elle soit sur la question autoritaire. Quoi. La crise sanitaire, il y en a une. Répondons-y en développant le système de santé, en développant voilà. Donc du coup, là, donc ça c'est la partie qui fait que cette manif, c'est une mobilisation qu'on a envie de défendre. Tout ça. Mais par contre, il y a une autre partie. Et alors après, je sais pas la proportion. Est-ce que c'est aussi important que la première? Tu vois là, ce que tu disais. Donc la question anti-vax. Et derrière la question anti-vax, c'est ce qu'on pourrait dire un peu tout un réseau de pensées confus, alors ce qu'on appelle aussi le complotisme, où là tu as tout et n'importe quoi qui circule, y compris donc des préjugés. Mais ça, est-ce que vous avez la force, l'énergie, l'envie d'aller vous le coltiner ou... Eh bien on l'a fait. Ou ça pue. On l'a fait, mais ça pue vraiment. Ah ben ouais, ça pue, on l'a fait, et il y a des villes comme à Bordeaux, on l'a tenté. Avec les copains en art, avec des collectifs, avec des syndicalistes, on a tenté de ce qu'on appelle faire un pôle de gauche ou anticapitaliste, en tout cas avec qui reprend des revendications, à la fois la dénonciation du pass sanitaire, mais on ne peut pas se contenter de dénoncer le pass sanitaire alors qu'il y a véritablement une épidémie, il y a véritablement une crise sanitaire et puis il y a véritablement un personnel soignant qui est en train d'essayer de sauver des gens. Donc du coup, on ne peut pas se contenter de ça. Donc c'est à la fois dénoncer le pass sanitaire et discuter d'un service public de santé, nous, on est pour une campagne vaccinale. Donc mettre en avant la nécessité d'une campagne vaccinale, mais on n'est pas pour l'obligation vaccinale. C'est pas qu'en soi, ce serait choquant, mais c'est que ça ne peut pas le faire aujourd'hui. Les gens qui ne sont pas pour se faire vacciner, on ne va pas les obliger avec des flics et tout ça. Donc du coup, c'est comment on sensibilise, en fait, c'est complètement lié à un service public de santé qui se développe et qui a les moyens de convaincre, d'informer, de rassurer, voilà. Mais on n'a pas du tout ça. La société, elle fait le chemin inverse. Donc en fait, on est sur cette revendication-là. Donc on a essayé de faire ce qu'on appelle des pôles, quoi, d'essayer justement de pas de reprendre la main parce que ça sert à rien, mais au moins d'influencer, de montrer que les manifs, ça peut être autre chose. Et puis en fait, de politiser aussi, dans le bon sens du terme, un peu comme les Gilets jaunes. Il y a eu, mais ça, ils l'ont fait aussi par eux-mêmes, une sorte de politisation qui s'est traduite par l'enrichissement des revendications. Au départ, c'est contre le carburant, et après, ça devient les inégalités sociales, le CAC 40, nous, comment on fait pour vivre, et puis la solitude, l'exclusion, comment on recrée du lien, les ronds-points, tout ça. Enfin, c'est devenu une opération hyper politisante pour plein de gens qui... et puis, ils ont réappris le lien, la discussion politique, enfin, comment on fait, comment on revendique. Bon, et bien, là, c'est le même problème qui peut se poser. C'est comment, à partir d'une colère contre le pass, mais avec tout un tas de confusion dans la tête, où tout est mélangé, parce que Macron, il est pourri, donc du coup, le vaccin, il est pourri, parce que
Macron défend le vaccin. Et donc tout ça égal. Ouais. Et on s'aperçoit qu'en fait, oula, ça devient un peu... Et puis ça va loin. Parce que même la dictature sanitaire, c'est des formules qu'on ne partage pas. Quoi. Enfin, autant... Enfin, Macron, ce n'est pas encore une dictature. Enfin, donc du coup, mais en utilisant des mots, enfin, voilà, il y a un truc qui nous inquiète parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui part en live. Et alors voilà, donc du coup... Et dis-moi, est-ce que... on cite au canon, bien sûr, mais est-ce que parmi vos adhérents, parmi vos militants, parmi vos compagnons de route, tu sens qu'il y en a qui sont partis dans ce délire-là ? Alors, très peu, mais on a des camarades, ça c'est sûr, qui sont... Il y a des camarades qui sont anti-vax, on en a. Mais là, à gauche, ça fait, par contre, là, ça fait un peu de dégâts aussi quand même. Il y a une partie de militants de gauche qui sont clairement anti-vax. Nous, on a des anti-vax, mais en lien toujours avec l'aspect autoritaire. Donc, on n'a pas les délires qu'il peut y avoir quand même, heureusement. Enfin, c'est plutôt rassurant qu'on n'ait pas ça. Mais on a des nuances, effectivement. Même sur, alors là, il y avait le côté anti-vax, ben, on a eu quelques débats entre nous. Le côté, même le pass sanitaire, c'est pas. On est globalement quasiment tous contre le pass sanitaire, mais des camarades ne sont pas en soi choqués par le pass sanitaire, mais du point de vue. Qu'en fait, il faut bien trouver des réponses à une crise qui existe. Et après, on a aussi quelques débats sur l'obligation vaccinale. Et donc, en fait, la situation et la mobilisation, elle nous percute forcément, mais tant mieux, parce que elle nous fait poser problème. Et nous-mêmes, mais on n'est pas dans des situations comme moi. J'ai discuté avec des gens proches de gauche qui partent vraiment dans les délires anti-vax et en disant n'importe quoi sur, et on a vu qu'il y avait même des intellectuels est-ce que tu crois que ça c'est un peu inquiétant j'accélère, il reste deux minutes. Est-ce que tu crois que tu pourras échapper aux sommations pour ou contre l'extrême droite? Est-ce qu'il faut parler sur les sujets de prédilection de Zemmour, de Le Pen, de CNews? Est-ce que tu penses que en tant que candidat la présidentielle, tu pourras échapper à ça? Et si tu peux pas, comment tu te prépares à ça? Ben, je sais pas, parce que c'est ça. Mais il faudrait qu'on se prépare à ça. Mais nous, on est plutôt contre les débats les débats à deux, par exemple. Une confrontation, moi, avec Zemmour, on évitera. C'est pas parce qu'on se dégonfle, hein, ou c'est qu'on pense que ça sert strictement à rien. En face des gens qui disent n'importe quoi, qui sont démagos à fond, on ne voit pas l'intérêt. Un débat à plusieurs, on l'a fait, hein, parce que le débat du 4 avril en 17, il y avait Le Pen qui était là. En 17, avril on dit comme ça, c'est en 17 moi je dis ça, tout le monde me reprend. En plus, en 17. Oh la vache, elle est tranchée. Le chemin des dames. Verdun. On est au 21e siècle et qu'il faut dire ou 1917. Oui, absolument, voilà. absolument. Mais c'est vrai qu'on me reprend à chaque fois. Quoi. Mais non, mais la question des rapports à l'extrême droite, il va falloir, ça va faire partie des choses qu'il va falloir discuter. Parce que là, les manifs aujourd'hui, est-ce qu'on manifeste côte à côte avec. Alors là, c'est pas le FN, parce que le FN, il se mouille pas. Mais par contre, on a des groupuscules. Voilà, il y a Philippot, certainement par démagogie et concurrence avec le FN, qui va essayer de tirer les marrons du feu de cette situation-là. Mais après, on a des groupuscules ou ce qu'on peut appeler la nébuleuse extrême droite qui est là. Hein. On a les Civitas, même si ça ne représente rien en réalité d'un point de vue militant. Alors comment on gère ça? Est-ce qu'on manifeste à ces côtés-là? Est-ce que, comme à Montpellier, on organise des cortèges qui permettent d'exclure ceux qu'on identifie? Ça, c'est nous, on est pour. Mais c'est pas possible partout, c'est pas simple partout à faire parce que l'identification, ben voilà, c'est pas toujours quand on repère, mais quand on repère pas, voilà. Mais après, au-delà de la présence physique de militants d'extrême droite, il y a la question du fond, du sens de la manif. Ouais. Et là, on sait que des gens qui sont anti-vax ou des gens qui vont dire même n'importe quoi sur le génocide des enfants ou sur la dictature sanitaire, c'est pas des gens d'extrême droite forcément, mais par contre, ils sont dans une logique. Qu'on pourrait dire complotisme et qui a un fond réactionnaire. Et après, le problème de fond que nous on pose, c'est l'individualisme. En fait, nous on veut discuter que la santé c'est une question collective. C'est-à-dire, c'est pas je veux me vacciner ou pas, mais c'est comment collectivement et donc c'est la question, ça se discute collectivement. Donc, ça c'est les rapports avec l'extrême droite, c'est les rapports avec en fait l'évolution de la société. Quoi, quand on dit il y a un glissement droitier, ultra-droitier, c'est pas juste au niveau des scores électoraux, c'est quand on voit que l'extrême droite elle gagne du terrain. L'idéologie d'extrême droite, l'idéologie individualiste, l'idéologie réactionnaire, elle gagne du terrain à tous les niveaux. Et là, tu disais, est-ce que c'est gênant que l'extrême droite prenne la rue et tout ça? Ben, c'est pas en soi l'extrême droite qui prend la rue, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, ben, on risque de rentrer dans une période où il peut y avoir des mobilisations réactionnaires. Bon, on a vu la manif pour tous, mais là, on est dans un truc qui se mélange avec une légitimité anti-système. Et voilà, donc, mais tout ça, enfin, là, il faut qu'on apprenne
Mais là, ce n'est pas juste l'NPA qu'il faut qu'ils apprennent, c'est comment la gauche militante, la gauche radicale, elle se démerde, à, même là, à la rentrée. C'est mais par exemple, l'enjeu, toi, il y a plein de gens qui disent c'est trop court, une heure, ils ont tellement raison, mais j'ai vraiment. Et là, il est déjà 7 heures, hein, donc tu pars quand tu veux. Mais là, il y a un péril imminent quand même. Est-ce que là, vous n'avez pas tous une responsabilité? Je pense à toi, je pense à ceux qui sont partis, je pense à Mélenchon et à ses lieutenants et ses lieutenantes. Est-ce que là, vous n'avez pas une responsabilité? Forcément, on en a une. Forcément. Non, mais je veux dire, ouais, à ne pas vous passé attendre. Passé et maintenant. Ouais. Ouais, mais forcément, de toute façon, la bataille aujourd'hui contre l'extrême droite, ça fait quoi? Ça fait 20 ans qu'on parle de ça, même plus que ça. Plus que ça. Beaucoup plus que ça en réalité. Et quand tu vois où on en est, on est obligé de se dire que quelque part, on a été mauvais. Voilà, alors après, on peut toujours se rassurer en disant que c'est les problèmes de fond de la société, parce que c'est l'ultralibéralisme, la précarité, enfin toute la brutalité de ce monde-là qui fait qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas. On s'est fait complètement dépasser. Donc. Mais on peut quand même se dire qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas du tout su faire. Le combat contre l'extrême droite, on n'a pas été. Il y a quelque chose qu'on n'a pas réussi à. Enfin, on n'a pas convaincu. Quoi. Donc, du coup, on est obligé de se dire qu'on peut se reprocher des choses, certainement. Alors, ça, c'est pour le passé, jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, est-ce que ce qu'on fait, c'est bien? Est-ce que c'est efficace? L'histoire des manifs, c'est ça aussi qui se discute. Est-ce qu'on va quand même dans les manifs, à fond dans les manifs, pour débarquer l'extrême droite, pour ne pas leur laisser la place? Moi, j'ai vu, il y a un camarade de la CGT que je connais pas, mais qui a écrit un texte sur de la CGT des banques, je vais pas dire son nom, il raconte, il dit bon, est-ce qu'en fait notre problème à nous c'est de réorienter une manif qui part sur un terrain qui est pas le nôtre, hein, le côté bon, anti-vax, ouais. Avec un fond un peu réactionnaire quand même, ou est-ce que c'est lancer autre chose? Donc c'est quoi la bonne stratégie aujourd'hui? Est-ce qu'il faut s'intégrer à la mobilisation actuelle et puis puisque les gens sont là dans la rue, donc c'est vrai que c'est un peu problématique d'aller lancer autre chose à côté alors qu'on reprendrait une partie des revendications? Ou est-ce que le plus efficace, le plus utile pour la suite, c'est que dès la rentrée, la gauche qui aujourd'hui a raté, qui a passé l'été sans faire grand-chose, est-ce qu'elle a la capacité? Je parle des syndicats notamment. Mm-hmm. Est-ce qu'on a la capacité dès début septembre de se lancer dans une mobilisation sociale qui incorpore la lutte contre le pass, la défense d'une campagne vaccinale et donc la défense de la République, et puis qui reprend un peu tous les problèmes sociaux qu'on a en ce moment? Est-ce qu'on a cette capacité-là? Est-ce qu'on peut le faire collectivement? C'est ça qui se discute, quoi. Moi, je pense qu'il faut lancer, mais... Deux questions rapides, les dernières, je te promets. Tu es contre les licenciements, il y a des gens malicieux, parce qu'ici, on n'est pas chez les cons, hein. Dans le chat, il y a des gens très malicieux. Qu'est-ce que tu fais de Didier Lallement si tu es contre les licenciements? Tu le gardes... En plus, il a été ton préfet à Bordeaux, maintenant, il est à Paris, comme chacun sait. Mais c'est, qu'est-ce qu'on fait c'est ce qu'on nous a déjà dit. D'un tel élément. Quand on a parlé, par exemple, Juppé était maire de Bordeaux, puis dans la campagne municipale précédente, j'avais dit ceux qui ont un passé judiciaire comme Juppé ne devraient plus pouvoir avoir le droit d'être élus. Et là, on nous dit ça. On nous dit, ah ouais, donc en fait, vous êtes contre le licenciement, mais là, ça ne vous vient pas de faire perdre l'emploi, machin. Et puis, il y a des tas de situations comme ça, on nous ressort ça. Mais oui, on est pour, évidemment, virer l'Allemand, mais ce n'est pas parce qu'on vire quelqu'un qu'on lui enlève les moyens de vivre. Parce qu'un licenciement, c'est ça qui se passe. Un licenciement, on perd notre salaire, mais après, il faudrait discuter de comment on écarte des gens d'endroits où ils sont nocifs. Et heureusement qu'on peut faire ça sans enlever le droit de vivre. Mais donc du coup évidemment qu'on justifierait ça, mais c'est comme à la mairie de Bordeaux, on s'est chopé avec la mairie qui est en place, parce qu'en fait quand une mairie change, enfin le pouvoir politique change, en fait tous les technocrates, les hauts fonctionnaires, toute la direction administrative d'une ville comme Bordeaux, elle bouge pas, c'est les anciens qui mettaient en place la politique droitière qui restent. Et donc nous on a dit à la mairie de gauche, mais comment? Parce qu'eux ils nous disent, ouais, désolé, on peut pas faire tout ce qu'on veut parce qu'on a un personnel politique dans la ville. Est-ce que tu dirais ça aussi de l'appareil d'État, c'est-à-dire les hauts fonctionnaires? Les ministres passent, mais les hauts fonctionnaires restent. Oui, aussi, ouais, parce que les cabinets, c'est souvent les mêmes. Après, ça change aussi. Mais c'est le problème politique qu'on a aussi. C'est qu'une élection, elle ne change pas ce qu'il y a derrière. Donc, et une police ne change pas quand il y a une élection. La justice ne change pas quand il y a une élection. Donc après, il faudrait mettre en place des cadres de démocratie directe, c'est-à-dire la justice. Il faudrait que ce soit, par exemple, le syndicat de la magistrature avec les autres qui discutent de qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui ne change pas. Parce que là, évidemment, c'est les personnels concernés qui peuvent discuter plus facilement de ça. Mais évidemment que ça se pose le problème de virer tous ceux qui ont assumé à un moment donné ou à un autre une politique qui est censée changer.
Donc oui, il faut virer ces gens-là, ouais. Mais on leur enlève pas de quoi vivre. Hein. On peut les reclasser. Il y a encore des usines, ils peuvent travailler. Il y a des tas de choses qu'ils peuvent faire, quoi. Il y a des tas de choses utiles à faire dans la société. Et donc la dernière question, elle est personnelle, mais je ne crois pas qu'elle soit gênante. Tu es chômeur, non ? Ouais, officiellement à partir du 1er septembre. C'est là que j'étais en congé reclassement. D'accord. C'est la chance qu'on a quand on est licencié dans une grosse boîte, contrairement. Une caissière ou un salarié dans une petite boîte de logistique, quand il est viré très rapidement avec des indemnités ridicules. Ouais. Quand on est dans une grosse boîte et en plus qui se bat, on rentre dans un outillage un peu moins grave et avec notamment donc l'outil qui s'appelle un congé reclassement. C'est-à-dire qu'en fait on est licencié et après on a une période avant d'être chômeur, c'est en fait on a un genre de pôle emploi maison, un cabinet de reclassement qui est payé par le patron qui nous vire, il est obligé, c'est la loi, et donc on est censé avoir une aide pour chercher l'emploi pendant une petite période. Et cette petite période, nous c'était 18 mois. Quand même pas, c'est pas rien. Et donc j'ai été licencié le 1er mars de l'année dernière. D'accord. Et jusqu'au 31 août de cette année, j'étais en congé reclassement. Donc Ford me paye jusqu'à ce mois-ci. Donc et ça se finit là. Donc à partir du 1er septembre, je suis réellement chômeur. Voilà. Mais donc je m'inscris à Pôle emploi le 1er septembre, je suis obligé. Mais comme il y a la campagne et que j'ai pas de perspective de boulot, malheureusement, et donc je vais me démerder avec les indemnités d'élus que j'ai. Que je donnais au collectif jusqu'à présent, mais que je vais garder parce que je ne vais plus rien avoir. Et un mi-temps certainement au NPA pour tenir toute la période électorale. Voilà mon avenir personnel dans l'immédiat. Voilà. Eh bien écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous répondre. Désolé pour les questions programmatiques qui n'ont pas été traitées. Ah mais tout va très bien, tout va, c'est voilà, hein. Moi je te pose des questions, tu réponds pas, tout va bien. Donc ce soir, c'est la dernière journée, soirée ouais. Des 13e universités d'été. Du NPA. Nous pourrions aller, puisque je vois qu'il n'y a plus d'enfants, donc je pourrais filmer, parce qu'il y a eu des questions, savoir est-ce qu'on aura le droit d'aller au truc gonflable. Ah bah oui, tu peux même sauter si je tiens la caméra pendant que tu sautes. Non, non, c'est gentil. Merci beaucoup, merci à toi. Philippe. Moi, je vais continuer deux minutes avec l'équipe, les gens qui nous regardent. Mille merci, te dit Nico, chômeur en campagne, te dit Samarop. Tu es encore à l'écran, hein, je te le dis. Ouais, merci Philippe. C'est le premier candidat chômeur, visiblement, de toute l'histoire de la 5e République. Hein. Donc ça sera marrant, quoi. Ça sera marrant, ça c'est clair. Ça sera marrant. Voilà, tu as plein de remerciements. Tant qu'on se donne rendez-vous une autre fois, alors on fait. Dans la NPA mobile, ouais. On dira. Avec grand plaisir. Ça marche. Merci beaucoup. Salut. Ciao. Merci tout le monde. Alors, je ne vais pas vous montrer l'université d'été parce que je ne sais pas si les gens veulent bien être filmés. Voilà, c'était la deuxième dans la même journée de la saison 2 d'Opost. J'espère que ça vous a plu. Je vais rester... Je vais rester quelques instants avec vous. On peut avoir le quotidien avec vous tous. Oui, pourquoi pas. L'idée de Twitch, c'est l'interactivité, sinon ça ne sert à rien. Donc merci beaucoup à Omodo, Uriel, Robin, Jessica et François qui ont relevé les questions. Comme vous avez pu voir, on a fait d'énormes progrès par rapport au mois de juillet, normalement en termes de son. Car nous sommes équipés. Donc merci à tous ceux qui cet été ont fait des petits dons au poste. Voilà, merci à tout le monde. Merci Valérie, content aussi de vous retrouver. Pour que vous compreniez la situation, on est dans un village vacances du sud. Des Corbières en fait à Port-le-Cat depuis 13 ans le NPA se réunit ici pour faire ses universités d'été et donc moi j'ai été invité ce matin avec Sarah Massoud du syndicat de la magistrature pour parler des questions d'autoritarisme de police etc. et pas plus tard qu'hier soir j'ai demandé à Philippe Poutou, il était OK pour faire une interview et vous avez vu le résultat.
sous vos yeux. Et là, comme merci beaucoup, le son était parfait, super. Un village des Corbières, absolument Port-le-Cat. Et donc, j'ai vu passer tout à l'heure. Ah oui, ça va finir au nightclub du camping, cette histoire, absolument. Donc, la Méditerranée est juste là. Là, il y a une piscine, là, il y a des chapiteaux. Là-bas, il y a le stand de la librairie La Brèche. Il y a un snack où les militants se restaurent. Il y a une belle banderole. Je vais apprendre en photo et je vous la montrerai dans la prochaine émission. Il y a des ateliers tout le temps, dès 9h du matin. Et donc, je ne vous cache pas que tout à l'heure, j'étais à la plage. Et alors, à la plage du NPA, c'est quand même assez sensationnel, parce que vous essayez enfin de prendre une demi-heure de vous reposer, et vous entendez des gens qui vous parlent des bolcheviks, vous entendez des gens qui vous parlent de la monnaie papier sous la Révolution française, des gens qui bouquinent partout. C'est absolument extraordinaire, c'est les vacances apprenantes rêvées de gens de Blanquer. Voilà. Isana qui passe de belle université d'été, absolument. Avec Sarah Massoud, c'était ce matin. C'était ce matin, voilà. Est-ce qu'il y a des petites questions où on se dit au revoir? Non, pas Alexis Corbière. Les Corbières. Alexis Corbière, là, il doit être... donc lui, c'est France Insoumise. Il doit être à Valence, du côté de Valence. Puisque les choses sont bien faites, la France Insoumise démarre, je pense, aujourd'hui, son université d'été, tandis que le NPA termine la sienne. Est-ce qu'il y a des petites questions sur le chat? Ah oui, alors donc je vous disais, oui voilà, il y a une question tout à l'heure dans le chat pour voir si j'allais interviewer d'autres candidats. Écoutez, moi je vais vous dire oui. Enfin, je veux dire, je vais demander à tous. Et on verra ceux qui disent oui, ceux qui disent non. Bien évidemment, alors ce ne sera pas forcément avec la même bonne humeur que tout à l'heure, qu'à l'instant. Mais ouais, moi j'aimerais beaucoup faire ça, y compris avec les pires. Car moi je considère que aller dans les lignes ennemies, ça vaut le coup. Il y a du café. Ah oui, il y a du café. Il y a du café. Oui, bien sûr. Tarbi Tabab, même Le Pen et Zemmour, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Aucun problème. Aucun problème. Est-ce que je serai aux amphis? Ben, figurez-vous, non. Non, parce que en fait, il m'avait sympathiquement invité, mais pour un débat sur la déontologie des journalistes, je ne me sentais pas tout à fait, voilà, c'est pas une question qui me préoccupe beaucoup, voilà, donc cette année, je n'y serai pas, j'y étais l'année dernière, mais je n'y serai pas cette année. Un débat genre les leaders de gauche, ouais pourquoi pas, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Pour ça, eh ben, il faut qu'il y ait le plus d'abonnés possible, enfin de followers de la chaîne, etc. Parce qu'évidemment, voilà, il arrive un niveau de candidature où ce qui les importe, c'est quand même les répercussions, les audiences. Voilà. Je vous rappelle qu'on a un Discord. Donc là, c'était au débeauté l'interview de Philippe Poutou, mais on a un Discord et évidemment, si on fait d'autres interviews, en règle générale, je les annonce. Et donc, l'idée, c'est de préparer les émissions ensemble. N'hésitez pas. Voilà. Olivier Tesquet, on a fait une interview avec Olivier Tesquet avant les vacances. Alors il y a déjà pas mal de postes qui se préparent. Vous pouvez regarder dans l'agenda. Vous pouvez retrouver déjà les premières dates qui sont calées. Et donc on ouvre, comme promis, on ouvre aux postes, à la politique, au social, aux luttes. Et
on élargit, voilà, on ne reste pas que sur la police ou les libertés fondamentales, mais on va ouvrir ça. Voilà, je suis tellement content d'être avec vous que je vais pas, j'ai pas envie de m'arrêter, voilà, mais je voudrais pas non plus meubler pour rien. Donc, avez-vous des questions? Si oui, j'y réponds. Sinon, je vous dis à bientôt. Pour être au courant, il faut suivre la chaîne ou vous inscrire sur le Discord ou sinon sur mon fil Twitter. Voilà. Merci à vous tous. Alors, merci Jérémia pour l'abonnement. Alors moi, j'entends pas là, j'entends pas la petite musique, la petite fanfare. Donc, je sais pas si la fanfare a sonné ce soir, la fanfare invisible enregistrée avec mes petites mains lors de la manifestation contre les idées d'extrême droite du 12 juin dernier. À bientôt en septembre, absolument. On repart pour une saison 2, puisque bah, ça y est, c'est démarré, quoi, voilà. C'est démarré. Donc, a priori, tous les lundis et tous les jeudis se repose la sempiternelle question de l'horaire. Est-ce qu'on fait ça à 9h du matin? Est-ce qu'on fait ça à 18h? Est-ce qu'on fait ça à 21h? Je ne sais pas trop comment trancher, très sincèrement. J'ai l'impression que le matin, on a plus de monde, mais vous êtes au boulot, donc il y a peut-être moins d'interactions qu'en fin de journée où il y a moins de monde, mais un peu plus d'interactions. Un petit sondage, on pourrait faire un petit sondage en effet. On pourrait faire un petit sondage, comme là vous êtes nombreux. C'est un peu compliqué, dit Valérie. Alors je sais pas François si tu veux faire le sondage. Je sais pas François si tu as la possibilité de faire un sondage. Alors à ce moment-là, on va faire notre premier sondage sur la plage. Comme ça, je vais vous emmener sur la plage. Attends, je range mon matériel. François, alors François, si tu peux me répondre dans le chat, est-ce qu'on fait un petit sondage ou pas sur l'horaire? Ce serait pour eux. Alors. Non, j'ai l'impression que François n'est pas là. Il n'est plus là. Alors. Ah, Sadrunner. Bonjour. Bonjour, Robin. Robin. Alors, le titre du sondage, c'est. Passe horaire, hein, jeu de mots, passe horaire. Alors, passe horaire, donc ça c'est le titre, et les choix. 9h, on va dire 9h, 17h, 18h, 21h. Ah ben dis donc, il y a le train de la... Alors, parce que c'est bizarre quand on est avec l'application, c'est qu'on n'a pas les sons. Je ne me rends pas compte de ce qui se passe. Alors, par où je vais passer? Voilà. Je vais passer par là. Je vais quand même vous montrer la banderole. Bon appétit. Merci. Alors, est-ce que le sondage est parti? Est-ce que le sondage est parti? Voilà, et je vous montre vite fait. Voilà. Elle est pas mal quand même. Voilà. Et donc ici, la rive des Corbières, la librairie La Brèche dans le fond. Et donc là, je vais vous montrer. Donc ça, c'est le temps du vote, du sondage.
Voilà, par exemple, là-bas, un des chapiteaux où il y a des débats. Hop, on montre pas les enfants. Tac. Voilà. Rien n'est trop beau pour la classe ouvrière. Ah non, le château gonflable, non, 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 non. Voilà, donc là-bas, alors je sais pas s'il y a de... Je sais pas si le... Vous avez du vent. Voilà. Ok. Donc voilà comment ça se présente. Plan large, coucher de soleil, rien n'est trop beau pour la classe ouvrière. Au poste vous offre vos dernières minutes de vacances. Alors le sondage. Ah, il y a du vent, pardon. Voilà. Ah, si je fais le tour, peut-être que je peux vous montrer. Donc là, j'ai aucune idée du résultat du sondage. Sympa, hein? Je suis en mode selfie, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Il reste 2 minutes 30. Ok. Donc alors, pour ce qui est des jours, a priori, ça c'est. On garderait le lundi et le jeudi pour les émissions dûment déclarées en préfecture. Puis après, il y aurait peut-être des émissions impromptues. Cet été, pour ceux qui... Enfin, au mois de juillet, on a passé plus de 50 heures de live en quelques jours à l'occasion de la loi sur la crise sanitaire. Et ça a été un moment assez fort. On a vécu ensemble collectivement. Oui, excusez-moi, je soliloque, ne vous inquiétez pas. Et par ailleurs, je ne vous filme pas, c'est en selfie. C'est encore plus, voilà. Donc là, ouais, je vais juste montrer quand même. Non, on vous prend. Non, mais la pétanque, quoi. C'est beau, quoi. Voilà. C'est beau. Bah, si, là, c'est cette idée de sortir de. Voilà. Une bonne soirée. Merci, vous aussi. Ok. Ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer. Est-ce que... Ils ont déjà enlevé la banderole, dis donc. Ah, c'est déjà fini. C'est déjà fini. Parce que là, il y avait la banderole université d'été. Voilà. Bon, je vais simplement vous montrer. Vous montrer l'accueil. Voilà. Vraiment, là, il y a une belle banderole NPA. Voilà, ça se passe ici. Accueil. Voûte. Digetsu, c'est live. M'ont fait mal, mais encore merci d'alerter sur nos espaces de liberté qui sont discutés par nos élus. Alors je dois vous dire que j'ai reçu des retours, notamment d'un sénateur, dont je donne pas le nom pour l'instant parce qu'il m'a pas autorisé à le donner, mais je pense qu'il va venir au poste. Un sénateur communiste qui, figurez-vous, a reçu des emails à 3h du matin de gens, de vous quoi, de gens qui suivaient les débats sur Au Poste, et il m'a envoyé une longue lettre
Et en fait, c'est ça que je voudrais vous lire dans un prochain au poste. Il m'a envoyé, pas une lettre, mais un email, un long courriel, où il m'expliquait l'effet que ça lui avait fait. Et donc, on l'a vu plusieurs fois, puisqu'il y avait eu... Il y a des députés, je pense à Hugo Bernalicis, qui était venu dans le chat tout en étant dans l'hémicycle. Si on est 200, 300, 400, 500, ça peut paraître peu, mais en réalité, ça pèse. Ça pèse sur l'idée qu'il y a une forme de contrôle citoyen, de regard citoyen sur ce qui est en train d'être fabriqué, les lois qui sont en train d'être fabriquées. Donc, ça vaut le coup, quoi. Voilà. Alors, 40% pour 18h, 30% pour 9h, 25% pour 21h, 5% pour 17h. Ah, 40% pour 18h. Parce que je me suis rendu compte que 18h, il y avait un truc assez cool, c'est qu'en fait, certains d'entre vous en profitent pour se faire à manger, la tambouille, tatata. Donc il y a un côté... compagnonnage, quoi, qui est pas mal, qui est sympathique. Alors, cher Modo, si vous pouvez mettre ça dans notre Discord ultra clandestin confidentiel secret défense, ce serait super. Voilà. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de votants? Vous me direz aussi. Voilà. Eh ben, je vous remercie. Je vous dis à dans quelques jours. On reprend le train du lundi et du jeudi dans peu de temps. Et puis on va aller jusqu'en au moins mars 2022. Encore une fois, je remercie ceux qui font des dons ou s'abonnent parmi ceux qui peuvent le faire. Parce qu'évidemment, voilà, on sait bien que tout le monde ne peut pas le faire, mais certains le font soit très généreusement, soit des petites sommes, mais ça compte pour nous, voilà, ça nous permet de défrayer la modération, de préparer les émissions, d'acheter du matériel, etc., etc., quoi, de consacrer beaucoup de temps à préparer tout ça, quoi. Donc vraiment merci beaucoup, notamment Unexpected, qui a refait des dons encore, je crois, cet été. Voilà, merci encore à vous tous. Merci à Philippe Poutou qui doit déjà être en train de discuter avec ses camarades pour la dernière soirée des 13e universités d'été du NPA. Merci à tous et je vous dis à très très bientôt. Attendez, je vais vous remontrer une dernière fois la mer. C'est quand même... Ah, le soliloqueur, voilà, c'est moi le soliloqueur. Allez-y, des millions de gens vous regardent, attention, vous êtes en montant vision, madame. Aïe, j'ai tout fait foirer. Oh, merde. Ok. Voilà, hop. Plan final, ça va être beau comme du TF1. Oh là 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 là. Hop. Et voilà. Plan final. Port le 4. Sa plage, son sable, ses villages vacances, son université d'été. Et maintenant, c'est live Twitch. À bientôt, je vais couper. Bonne soirée tout le monde. Ah oui, ça, c'est pas au stand, hein. C'est beau au stand.